The year is 2500. The whole world is in ruins. Only a small number of people have survived the war, one of which the infamous and notorious Dr. Cliché. The time machine that he has built has enabled him to travel many hundred years back in time. Here, he has been able to complete his most dastardly deed, the building of an underwater laboratory, inside of which he has placed the most powerful bomb the world has yet known. His first attempt failed, and instead led to the creation of a ball, although no ordinary ball. If ever this bomb should explode, the entire planet will freeze and all life will be lost. In this way, Dr. Cliché aims to eliminate beyond all reckoning the possibility of such a future ever coming to pass. Where Dr. Cliché is to be found exactly at present, nobody knows, but rumor has it that the bomb is activated. The world lies in grave danger, that is, unless... Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Tuto Facile France. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite donc de la vidéo que je vous avais sortie pour le game test de la chaîne. Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup spécialement qui l'attendaient, mais je sais que certains pouvaient l'attendre, donc je vous le sors enfin. Donc c'est pas la suite du jeu, c'est le même concepteur. Vous allez pouvoir voir que c'est plus ou moins les mêmes, le même style graphique, ça va être la même ambiance. Par contre le gameplay lui est totalement différent. Donc ça c'est l'introduction, je vous montre vite fait donc l'introduction. Et ensuite je vais faire une petite partie donc en direct, enfin commenter en direct pendant que je joue. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Donc moi je vais vous montrer en fait juste le début du jeu, enfin si on peut dire le début, car je vais vous montrer une petite méthode, car comme vous pouvez le voir, il vous faudra récupérer plusieurs pouvoirs au cours du jeu, et à chaque fois que vous mourrez, vous avez la possibilité donc de choisir quel pouvoir, avec quelle sorte de pouvoir vous désirez réapparaître. Donc, tout simplement, moi je vais vous montrer comment gruger et avoir juste le pouvoir numéro 4 dès le début, avant même d'avoir le pouvoir numéro 2. Donc ça va être bientôt la fin de l'introduction. On y arrive bientôt, je vous expliquerai un petit peu plus, j'essaierai pendant que je joue, parce que quand je joue, je suis pas trop... si je parle, je fais n'importe quoi, donc c'est parti. Alors... Donc en gros, c'est assez simple, hein. Vous avez un bouton pour rebondir. Les flèches de direction pour vous diriger, donc c'est quoi ça déjà? Ah, oui, d'accord. Donc quand vous mourrez, vous réapparaissez au dernier point de sauvegarde. Il faut appuyer sur les touches de 1 à 9 pour choisir le pouvoir de la boule que vous désirez. Et chaque boule, donc, chaque pouvoir a une compétence bien particulière et qui vous permettra de débloquer des passages au fur et à mesure du jeu. Donc bien sauvegarder à chaque fois que vous passez sur une lumière. Donc au début vous croisez des petits ennemis qui sont pas forcément agressifs, et puis il y en a d'autres, faut faire attention. Alors une petite maison. Ouais, c'est bien, je comprends rien. Alors il me semble qu'il parle des pouvoirs, donc il doit dire que quand vous arrivez sur une zone de pouvoir, il faut appuyer sur entrée pour récupérer le pouvoir. Donc de toute façon on verra ça quand je vais y arriver tout à l'heure. Donc faut aller où déjà? Bon, ça fait un petit moment que j'y ai pas joué, hein. Je sais que j'y ai passé pas mal de temps à une époque. Ouais, donc là j'étais coincé de façon. Mais je me rappelle plus très très bien de tout. Donc là par exemple vous pouvez pas passer, vous avez du vent qui souffle et il faudra récupérer plus tard une boule, enfin un pouvoir qui rend la boule un peu plus lourde et qui va lui permettre de passer.
Et c'est un petit exemple parmi 9 autres. Quand vous êtes coincé, vous pouvez revenir soit en mourant, soit en appuyant sur la barre espace. Donc c'est là, normalement, vous auriez dû soit descendre, soit continuer le petit chemin là où je me dirigeais tout à l'heure. Et donc je vais vous montrer une technique qui n'est pas spécialement facile. Je vais m'y reprendre à plusieurs fois avant d'y arriver, j'en suis sûr. C'est obligé. Faut sauter comme ça, essayer de revenir direct. Normalement, c'est un petit vaisseau qu'on est censé aller bien plus tard, après avoir récupéré une boule qui, enfin, un pouvoir qui permet de sauter plus haut. Ah putain, faut vraiment prendre bien l'angle. Allez, putain. Ton coin là, voilà, comme ça, ouais. Et, ouais, non, putain, donc vous avez compris le principe. Enfin, j'espère. Voilà, c'était mort, mais oui, c'est bien, ouais. N'importe quoi. Dans un niveau où on n'est pas censé arriver, normalement pas tout de suite en tout cas. Donc là, je sais plus c'est quel endroit. Attends, c'est à droite, à gauche. Ah, je sais plus. Je crois que c'est là. Déjà, vous voyez que c'est un autre niveau, et plus vous allez avancer dans le jeu, et plus ça va être dur, hein. Franchement, au début ça paraît tout calme comme ça. Non, je crois que c'est pas par là qu'il faut passer.
c'est plutôt là qu'il faut passer. C'est quoi ces trucs qui inversent la direction là? Je me chie dessus là, c'est obligé. Mais oui. Des trucs qui à moitié en apesanteur, hein. Faut arriver à jauger à pas sauter de trop. Ah ouais, non, ça c'est le passage à la mormole, je me rappelle. Faut bien avoir le bon timing, sinon c'est mort. Si tu comprends pas le truc, tu peux galérer pendant 3 heures avant d'y arriver, avant de passer. Là on peut pas passer parce qu'il y a les carrés orange jaune. Comment choper le pouvoir, hein, mais pour quelqu'un qui connaîtrait pas le jeu ou comment fonctionne le jeu, je vous conseille pas de faire ça non plus. Là c'est aussi pour vous montrer pas que le début du jeu, là vous aurez un petit bout, vous verrez un peu que la difficulté augmente niveau par niveau. Donc là vous voyez un peu le début du jeu puis le niveau 4. Plus tard ce sera beaucoup plus dur que ça. Mais je vous conseille pas de le faire parce que vous allez récupérer un pouvoir dont vous n'êtes pas censé avoir récupéré. Vous allez pouvoir aller dans des endroits où vous n'êtes pas censé pouvoir aller. Vous allez vous bloquer à plein d'endroits, enfin vous retrouver bloqué à plein d'endroits. Vous allez vous perdre plus qu'autre chose. Donc vaut mieux suivre le trajet normal. Après quand vous connaissez le trajet normal, c'est bien d'avoir un petit pouvoir en plus, histoire de dire, l'avoir un peu en avance. Mais là franchement, pour découvrir le jeu, autant pas faire ça. Mais putain. Allez. Ça me saoule ce passage, j'ai chiant un peu. Passer ce machin, c'est chiant. Vas-y, crève pas. Monte. Voilà. Sauvegarde. Ok, cool. Bon, on va se retaper ça. Et merde. Donc, je m'arrêterai après ce niveau-là. Je vous en montrerai pas plus. Vous aurez le lien du jeu gratuit qui est en téléchargement libre, donc je vous mettrai le lien du jeu dans la description. Enfoiré. Je fais n'importe quoi quand je parle de toute façon. Ah. Galérer au deuxième passage qu'au premier.
non, ça m'a servi de leçon, j'ai pas oublié. C'était chaud quand même. Ouais, donc arrivé là, c'est comme ce que ouais, je vous disais dans la petite maison tout à l'heure, vous vous placez sur la lumière, vous appuyez sur entrée. Donc là, il vous dit d'appuyer sur escape pour, enfin échappe pour sortir du niveau. Donc là, vous venez de récupérer un pouvoir. Donc comme vous allez pouvoir le voir, c'est le pouvoir niveau 4, alors que vous n'avez même pas récupéré le 2 ni le 1. Enfin, le 2 ni le 3. Et vous pouvez voir, donc avec ce pouvoir, ma boule... enfin, la boule... Putain, j'ai les idées déplacées, c'est quelque chose. Donc la boule saute beaucoup plus haut. Et hop là, je chope le pouvoir numéro 2 qu'on aurait dû choper en arrivant là, au lieu de faire ce qu'on a fait. Donc voilà, j'espère que ce petit test de jeu vous aura plu. Hein. Comme je vous ai dit dans le premier, je suis pas une star pour faire ça du tout. Quoi. J'espère que celui-là il aurait été un petit peu mieux. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.